des élections de la semaine prochaine, c'est de savoir à quoi servent ces élections. Est-ce qu'elles vont désigner la personne capable de résoudre les problèmes qui se posent en France et en Europe? Est-ce que l'élection, c'est un bon moyen? Alors, il y aura quelqu'un qui va gagner, c'est la fête. Mais est-ce que cette personne-là sera la bonne personne au bon moment pour régler les problèmes correctement? C'est beaucoup moins sûr. Vous me direz, mais alors comment fait-on? Est-ce que ce n'est pas la seule solution, c'est de faire voter les gens, faire voter la masse? Ben, ça dépend des périodes. Et des périodes équinoxiales, où on a besoin de quelqu'un qui sache déterminer ce qu'il faut évacuer, ce à quoi il faut renoncer. Et puis il y a d'autres périodes où il s'agit de trouver des gens qui sont capables d'assumer un héritage, de le revendiquer, de le récupérer. Donc c'est déjà pas du tout le même enjeu. Donc la question principale en astrologie, c'est de déterminer à quel moment, quel est l'enjeu qui se joue aujourd'hui, à tel moment. À quel enjeu équinoxial ou l'enjeu solsticial. Parce que si la solution est solsticiale, elle n'est pas du même ordre que la solution équinoxiale.